この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer donc à Tokyo Extreme Racer 2 sur Dreamcast, un jeu développé par Genki en l'an 2000. Donc on est parti pour découvrir ce jeu ensemble, avec comme vous pouvez le voir plusieurs modes de jeu, dont le mode Quest, le mode Quick Attack, Time Attack, Free Run. On a même le website, et on va y voir directement les options. Alors le mode options, on va voir donc les configurations du jeu. Les SP Battle, donc on peut choisir si on est en mode réaliste ou en mode normal. La minimap, on peut la mettre en large, on peut la mettre en off ou en normal. On va laisser par défaut de toute façon pour le début. Les Guide Arrows, c'est en gros quand vous allez arriver dans un embranchement, il peut vous dire bah, là où vous pouvez aller, à droite ou à gauche ou autre. Et s'il y a une rue qui est complètement fermée, une voie qui est fermée. On a la vue par défaut, on peut mettre la vibration et le mode TV, Wi-Fi TV normal, on va mettre normal. On va valider comme ça. Sound config, on va le laisser par défaut. Et on va partir pour un petit free run histoire de découvrir un petit peu le jeu. Donc on a trois classes de véhicules. Le classe C normalement étant la plus lente, la classe A la plus rapide. On va faire un petit tour au niveau des voitures disponibles. On va voir que là par exemple on a une 86 GL2. Là on a une 86 GT, donc voilà, la version 3, celle que vous connaissez dans les initiales D, je pense que je peux changer les couleurs, vous voyez à quoi ça ressemble. On a une K, ça c'est une Honda Civic normalement, voilà, avec différentes couleurs. Et ce qui est intéressant c'est que pour chaque voiture, par exemple si je la prends en jaune, je peux choisir de changer les specs. C'est-à-dire que là je suis en mode aérodynamique normal. Et si je vais mettre en type A, vous voyez ça améliore un petit peu l'aéro, ensuite on a le type B, on a le type C. Le type D, donc là on est quasiment au max, type E et le type normal. Je change les voitures pour vous montrer un petit peu ce qui est disponible. Les musiques sont assez particulières mais elles sont plutôt sympas. Là on a une MX5, donc on peut changer la couleur toujours. Là on a encore une MX5 normalement. Ah non c'est une... qu'est-ce que c'est comme véhicule ça? On dirait une Marche G. Ou une Pulsar, je sais pas, ça me fait penser un petit peu à ça. Là on a une Civic, enfin une CRX pardon, avec plusieurs choix de couleurs toujours. EG6, c'est une vieille Civic, non? Non, toujours une Civic, pour le moment c'est une Honda Civic. Ensuite on a une W30, alors ça je sais pas ce que c'est. C'est une Toyota MR2, nouvelle génération, pas pour l'époque. On est revu sur la type E86. Je vais vous montrer la classe B. Donc là on a une Altezza. Là on a une... je sais pas comment elle s'appelle cette variante. Une 2000, enfin une Mazda. Ou Nissan, je sais plus. Ah décidément je vois combien ce que c'était comme voiture, incroyable. Ensuite on a une S14, c'est une Silvia normalement. S14, toujours le choix de couleur. On a une OC2M, alors ça c'est une Honda Prélude. Honda Integra Type R, bon. Integra Type R décidément. Ensuite une D4DB, alors ça je sais pas ce que c'est. Bah ça doit être la même chose, hein, sauf que c'est dans une version un petit peu différente. On a une FC3, ça c'est encore une Mazda je pense. Ouais. Voilà. Ensuite on a la D3, on dirait qu'il manquait déjà. C'est une FTO, tiens. Mitsubishi FTO. On a une T23 qui est une Celica nouvelle génération. On a une X10, alors ça je sais pas ce que ça va être une Altezza, ouais, ce qu'on a eu au début.
Donc on a 8 modèles différents en groupe B. Et enfin en classe A, décidément il y a quand même pas mal de voitures. On a la Toyota Supra. On a une Skyline. On a une S15, donc là c'est une Silvia aussi. Là on a une Honda NSX. On a une S2000. Alors je trouve que les modèles sont plutôt bien réalisés. Je rappelle qu'on est sur Dreamcast, hein. On n'est pas sur Play 2 ou autre. Et la Dreamcast en a quand même pas mal dans le ventre. On a une Lancer Evo. Je pense que c'est une Evo 5. Là c'est une RX7 normalement, voilà. Bleu en violet. Ensuite on a la dernière. C'est une Subaru Impreza. La caler en bleu tant qu'à faire. Et on va prendre une... Bah, peu importe, on va prendre une classe B par exemple. On va prendre... je sais pas ce qu'on va prendre, c'est juste pour tester. On va prendre celle-là par exemple. On va se mettre en aérodynamique, regardez. Avec la petite antenne, on va se mettre en version E. Alors, on va rester en normal. Bon, je vais faire un free run, changer les parties de la voiture, modifier les settings et faire démarrer. Et ici, vous pouvez voir, on a donc des zones sur lesquelles on peut se balader. Donc on a le quartier de Ginza, Kandabashi, Kasumi Gaseki, Shibakuen, Daiba, Ariake et Fukuzumi. Sachant qu'on n'a pas tout débloqué au début, on a le jeu, donc on n'a qu'une seule partie là qui est débloquée. On va prendre par exemple Daiba. Et là on a le choix entre la Wangan Line ou la C1 Line. On va dire peu importe. Et on peut mettre l'assistance au niveau de la boîte pour le passage des vitesses. Donc on a déjà passé 6 minutes à la présentation des voitures. L'interface est super sobre, hein. Vraiment on a un truc ultra basique. Il se fait très ambiance nuit, donc finalement je trouve que c'est assez cohérent. Donc c'est parti, alors je vais être tranquille pour monter sur la route, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, le jeu on va être dans des bouts de tronçons comme ça, en mode de nuit. Je peux changer la vue, donc là j'ai une vue très très éloignée. Je peux freiner avec la gâchette, j'accélère avec la gâchette, je freine avec la gâchette. On a une vue... pas vraiment embarqué, mais bon, on va du sol. Ouais, je peux pas aller à droite par exemple, je suis obligé d'aller par Wangan Fukagawa. On avait vu un peu plus vers l'arrière. Et on peut voir carrément le cockpit à l'intérieur, on peut voir quand même un ordinateur de bord. Là, je me suis justement foré. Je sais pas s'il y a des dégâts dans le jeu, j'en ai aucune idée. Par contre, j'ai pas trouvé comment mettre la. Comment changer la vue. Je peux faire start, voilà. Mais je ne peux pas. Pas changer le. Je peux mettre la vue arrière par exemple, ça marche pas. Enfin, si je change les touches, à part changer la vue, je peux rien faire d'autre. Mais j'ai un petit rétroviseur quand je suis dans ce mode là. Alors le jeu est ultra fluide, j'ai envie de dire heureusement, parce que vu le peu de décor qu'il y a réellement autour du circuit, c'est plutôt pas trop étonnant. Et donc là, vous voyez, on est en train de se déplacer sur la route, on peut voir sur la map où on en est, on a le compteur de vitesse un petit peu illuminé. On a un bel effet de vitesse hein, quand même, regardez, à un moment quand on commence à être assez rapide. Vous voyez ici, on a un petit effet de flou aussi au niveau des phares arrière des voitures. C'est assez bien fait. Le jeu est plutôt bien fait en tout cas dans ce qu'il essaie de retransmettre comme ambiance. Ambiance de nuit avec musique un petit peu... je ne sais trop comment on casse ce style de musique. Mais c'est quand même une ambiance particulière qui est plutôt bien retranscrite. Alors il va falloir faire attention parce qu'il va y avoir un gros virage. Je fais un petit tour, hein, j'ai pas grand chose d'autre à faire. On va voir que même les voitures autour de nous, là par exemple c'est des taxis, sont plutôt bien rendus. Si je me rapproche par exemple du camion, ouais, le camion est quand même bien modélisé. On a même les jantes en 3 dimensions sur le camion. C'est quand même pas mal fait. Par contre vous voyez quand on bouge comme ça, on a le décor, le background au fond qui bouge pas, ce qui montre bien que c'est quand même à niveau 3D, ils ont pas poussé les détails super loin. En termes d'environnement, mais ma foi c'est plutôt joli. Franchement pour l'année 2000, sachant que la PlayStation 22 est à peine sortie, que la Dreamcast était là depuis 2 ans, c'est quand même très classieux. On va faire start et ce que je vous propose c'est qu'on va faire retourner au garage. On va sortir de là. Alors ça fait très Sega Rally ou Sega GT en termes d'environnement. Je trouve que je sais pas pourquoi ils se ressemblent beaucoup. On va faire du coup une course rapide. On va prendre une classe au hasard, on va prendre une classe C par exemple. On va prendre une
Bon, je sais pas trop ce qu'on va avoir au début quand on va être en mode quête. Du coup, je vais le laisser comme ça. On prend une petite civique, hein, par exemple. On va la mettre en jaune. Tiens, ça fera ça colorer. On va mettre un petit peu d'aileron. Voilà, c'est dégueulasse, mais on va la prendre quand même. On va faire donc démarrer. Et on va choisir une autre zone. On va prendre par exemple cette variante. Et donc si j'ai bien compris, le but du jeu en général c'est de faire des runs contre des voitures et de les distancer le plus possible pour remporter la victoire ou ne pas être trop distancé. Donc voilà, dire qui contre nous. C'est une GT86 ou une... Et ouais, on a la distance entre lui et nous. Donc on a une barre, une jauge qui est remplie en haut. Et cette barre en fait, quand on a de l'avance sur un ennemi, sa barre descend et elle descend de plus en plus vite suivant qu'on est loin ou qu'on n'est pas loin. Et le but c'est de faire tomber sa barre. Ce qui fait que par exemple là, je peux me repasser devant. Mais si je repasse devant à nouveau, bah, je vais lui reprendre le. Je vais pouvoir finir juste en bout de barre. Donc là j'ai gagné. C'est le premier round, on va faire try next round. On va passer à la suite. Donc on a droit à un petit mode replay. Qui me fait dire que ouais, le jeu est quand même plutôt joli. Regardez même les jantes, le reflet sur les jantes, c'est assez marrant. C'est vraiment de la 3D, c'est super bien fait. Et les musiques sont vraiment particulières. Donc là regardez, je peux retourner au garage, je vais faire le round souvent. On va essayer de continuer une voiture un peu plus rapide. Cette fois-ci ça va être une Ben Sylvia encore. Plutôt jolie d'ailleurs celle-là en couleur bleu nuit. Arrache ce moment. Allez, là on peut voir l'IA où elle est. Et là on est sur une autre portion de tracé. Alors je peux voir évidemment quand il va y avoir les prochains virages, hein. Du coup je peux anticiper un peu. Je ne connais absolument pas le tracé. Alors les voitures ont un maniement que je trouve plutôt propre dans le sens où elles ne nous voient pas trop. C'est-à-dire que vraiment il y a une sorte de... Comment dire, la direction est assez molle, elle n'est pas trop exagérée, c'est-à-dire que si on touche un tout petit peu la manette, en fait la voiture ne va pas faire une embardée d'un coup à droite ou à gauche. Elle va vraiment faire ça progressivement. Et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est souvent le gros défaut sur les jeux de ce style. Ou sur console, c'est que vraiment ils ont tendance à trop tourner. Voilà le replay donc contre la Sylvia. Ouais, quand je tourne, bon ça tourne un petit peu, on sent qu'il y a quand même le poids, mais c'est pas trop exagéré, je trouve que c'est plutôt cohérent. Donc on va faire un next round. Et là on va se battre contre une... je sais pas ce que c'est. Ready? Je vais passer par là cette fois-ci. Et il est... je crois qu'il est derrière nous, donc ça c'est bon. Par contre vous allez voir, maintenant on va avoir des embranchements un peu différents. Il fait que ouais, quand je touche le mur, je perds vraiment d'un seul coup de la vitesse. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà, je suis encore devant, hein, ça se passe bien. Et je vais gagner du coup. Et oui, remaining SP 95,6%. Donc là, je peux passer au round souvent. Et vous avez vu d'ailleurs, le décor s'est affiché un petit peu d'un coup. On va faire un next round encore. Et là, on va se battre contre une voiture dont on n'a pas eu le choix tout à l'heure. Tiens, c'est là qu'on peut peut-être débloquer d'autres voitures dans le jeu. Alors je vais mettre super loin parce que j'aime bien cette vue. Ouais, là par exemple il est devant, je vais essayer de conserver ma vitesse. Alors vous avez vu qu'on avait donc un peu de trafic, mais le trafic est assez léger pour le moment. Et là typiquement j'ai perdu énormément de vitesse, donc il va pouvoir me rattraper, ouais. Et là il me met dehors limite, et c'est lui qui a pris l'avantage. C'est à moi maintenant d'essayer de le dépasser. Mais j'ai encore tapé. Du coup c'est lui qui reprend l'avantage. Donc là il est en train de gagner. Je vais repasser devant maintenant. Et je vais essayer de m'éloigner assez vite pour du coup
prendre le maximum, manger sa barre le plus vite possible. Et on peut voir le temps que j'ai mis, hein. Par exemple je suis à 59 secondes, 1 minute, enfin il calcule au fur et à mesure. Voilà, j'ai eu du bol. Running SP, il m'a resté que 55,3%, mais on a gagné du coup la quick race numéro 4. Donc j'ai pas été spécialement bon. Oui, quand t'as du virage, j'ai un petit peu du mal à anticiper. Il faut vraiment anticiper pour pouvoir bien prendre la corde. Pour pas se prendre bêtement le mur comme je l'ai fait. Après, on peut voir un petit peu le replay. On va faire un next round. On va forcément enchaîner les rounds tout jusqu'à la fin, mais on va au moins essayer de faire. Alors là, c'est une. Je sais pas ce que c'est comme voiture. Ah, il me propose, je vais aller là directement. C'est peut-être pas la bonne idée, mais je vais y aller. Il a pris le côté extérieur. Et vous voyez, mes SP en fait, ils ont été conservés par rapport à la dernière fois. Ce qui fait que toute la vie que j'ai perdue, on va appeler ça la barre de vie, hein, tant pis. La vie perdue, eh ben, elle reste conservée pour la prochaine manche. Ce qui fait que ça devient de plus en plus dur. Et là, on a gagné. Je vais passer au round suivant. Ce que je ne vais pas faire, hein, on va passer maintenant en mode quest. C'est une. Je crois que c'est une Subaru Break. Ouais, Subaru Impreza Break ou Legacy peut-être. On va faire du coup retour de Tokyo Rage et on va faire un mode quête. Donc on va. Non, on va pas faire OK, on va faire. End Quick Race. On va proposer de sauvegarder. Et on va passer en mode. Donc on va faire un nouveau jeu. Donc on peut acheter une voiture. Alors j'ai la classe A, la classe B, la classe C. Enfin une classe A. Je sais pas si j'aurai assez d'argent pour acheter. Elle coûte 44 000. J'ai 150 000 CP. Donc c'est pas mal. Je sais pas ce qu'on pourrait prendre par exemple. Pour faire une course. La Skyline, ouais, ça peut être marrant. L'S2000, ouais, ça pourrait être cool aussi. Je vois ce qu'on a d'autre. Ah, je vais prendre une SX, écoutez, pour une fois. Allez, on va prendre une SX. En rouge. Non, en noir, c'est beaucoup plus classe. Attendez, je refais un petit tour quand même pour savoir ce qui était disponible. Bon, la Mitsubishi, on la connaît. F0. La RX7, on l'a déjà fait. Green véhicule, j'ai pas trop l'habitude de prendre. Ouais, mais on a déjà tout fait en fait. Bon, bah écoutez, on va passer sur la NSX. Et je commence à être fan de la musique, hein, en fait. Ah, en blanc, elle est pas si mal que ça non plus. Hein. En mauve, c'est particulier. Bah écoutez, on va mettre. Voilà, prendre en noir. Enfin, en noir, en gris quoi. Ah, elle valait. Ah non, j'ai 15 000, j'ai pas 150 000. Ah bah oui, du coup, je me suis fait avoir. Ok. Bon, bah je vais être obligé d'acheter une classe C, hein, j'imagine. Voilà, là on a un peu plus l'argent pour l'acheter. Et encore, on peut acheter que deux modèles. Hein, parce que après, on passe directement à 18 000. Ah non, 5 000. On peut acheter la voiture 5 aussi. La EG6, on peut prendre aussi. 19 000, c'est trop cher. 23 000. Bon, bah écoutez, je vais prendre une CRX, tiens. Pourquoi pas. Donc la CRX, c'est celle-là. Alors, on peut voir la courbe hein, de puissance, etc. On va prendre la, CRX. C'était là, je crois. Voilà, prendre une petite CRX sympa. Je vais prendre la couleur de celle de mon voisin à l'époque. Voilà, donc là je peux choisir mon nom. Mais je vais faire End. Franchement, je m'en fiche un peu. Par contre, regardez, on peut modifier sa plaque. J'en sais rien. On va mettre un ça plus. J'en sais rien. Allez, je mets de quoi. Bon, allez, on est au Japon, on va mettre JP. Hein. Ça sert à rien. Voilà. Donc, on va l'acheter pour 5000 crédits. Et du coup, on va pouvoir découvrir ce qu'on peut acheter. On peut faire des settings, on peut acheter des sports pour car. Et on a un dealer. Ce qui fait que normalement. Ouais, non, on va avoir les mêmes choix. Je pensais qu'on aurait des choix différents. Peut-être qu'on peut débloquer des voitures après. Qu'est-ce que je voulais voir? Faut attendre que le jeu charge derrière en fait.
peut voir les rivaux, on peut voir le système et la quête. Alors je vais voir au niveau des magasins d'objets. Et pouvoir voir que là par exemple on peut modifier donc la puissance, le tout ce qui est châssis, le oui carrément la carrosserie, l'aéro, les accessoires, le paint shop et le sticker shop. Et d'ailleurs on peut voir qu'il y a la marque HKS à côté, qui fera plaisir à quelqu'un de la chaîne. Alors le powertrain par exemple, normal engine, on peut faire les mufflers. Il y en a plusieurs variants. Donc par exemple regardez, ici c'est la version normale et vous pouvez voir la courbe à droite qui bouge. Si je passe en M3, donc genre plus de patates. Bon, au niveau chevaux, c'est pas grand chose. Hein. On gagne 16 chevaux, 4 ronds, c'est pas énorme. On va faire back. Muffler, L cleaner, on gagne, est-ce qu'on gagne? On gagne que dalle. Par contre, ça change la taille du pot. Donc je vais faire le gros kéké, prendre un pot niveau 3 si je veux. Ça sert à rien. Mais je vais prendre un petit pot juste pour rigoler. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va le rajouter, on va faire back. On va passer au train. Donc au niveau de la transmission, frein, bah voilà, on va changer les gommes. J'ai l'impression de faire du Gran Turismo là. Alors regardez, quand je change les pneus, j'ai aussi le poids qui va augmenter. Mais c'est les pneus qui ont peut-être plus de grip. Et là, les types 2 ils valent 18 000 crédits. Donc on va pas faire ça. On va prendre juste des pneus qui ont du grip. Voilà, type 1. Et rear tire, on va mettre pareil des types. Ensuite, on a la suspension clutch différentiel par exemple. Alors là, je sais pas trop ce qui change. Au niveau de la courbe, je vois que dalle. Donc, on va prendre un sport clutch pour le moment. Et au niveau de la transmission, ça coûte super cher. Donc pour le moment, close ratio ou close ratio transmission. Pas trop la différence. Bon, on va laisser ça par défaut. On va aller voir le body shop. Je sais pas trop ce que ça change. En plus, à chaque fois qu'on achète, on a le poids qui augmente. Du coup, je sais pas trop si ça vaut vraiment intérêt. Tower bar, concept bar, batterie, ok. Bon, on va faire back, je vois pas trop de grand chose de différence. L'aéro. Donc, on va prendre des front bumper, side curt. Air bumper, spoiler, regardez, on peut vraiment acheter ce qu'on veut. Alors là, ce qui est marrant, c'est que je vois pas de différence si on a un petit aileron. Bah écoutez, je vais la laisser comme stock pour le moment, au niveau du bumper. À la limite, le hood si vous voulez. Et encore, ça coûte un peu cher. Front bumper. Bon, je vais la laisser par défaut au niveau de la voiture. Et au niveau d'accessoires, regardez, on peut acheter des lumières. Donc ça sert à rien, mais bon, pourquoi pas. On peut même acheter des types de roues qui n'ont aucun intérêt. Par contre, je peux changer la couleur. Ça, c'est pas mal. Bon, je vais pas acheter des roues sans déconner. Quoique, non, je m'en fous en fait. Un gris, je sais pas ce que c'est. Bon, on va laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre? Bah écoutez, je pense qu'on a un peu tout fait. Powertrain, on va voir au niveau du moteur. On pourra peut-être acheter un petit peu. Par contre, vous voyez, la voiture est un petit peu plus lourde. On va prendre le type 1. Hein. Et maintenant qu'elle est boostée, on va sortir. Et du coup, on va aller voir... Alors, on peut faire, du coup, démarrer la quête ou voir les rivaux. Bon, on va faire démarrer la quête. On va prendre, par exemple, Ginza. Et on va prendre Inner, Outer, je sais pas. On va prendre Inner, tiens, par exemple. Et on va donc démarrer une course. Pas mal de choses, hein, comme vous pouvez voir dans ce jeu. Bon, enfin après c'est des choses classiques, mais c'est bien de pouvoir modifier sa voiture. En plus, on voit un petit peu la différence en jeu. Enfin, c'est... Enfin, en jeu, en tout cas, visuellement, on le voit. Et je pense qu'en jeu, ça se voit aussi. Donc, regardez, on est en autopilot. Donc là, je me balade, je fais ce que je veux, hein, concrètement. Non, quête. Et vous pouvez vous rendre compte que j'ai plein de trucs bleus, en fait, plein de points bleus sur la carte. C'est en gros les IA que je vais pouvoir combattre. Donc pas lui, hein. Lui je vais pas pouvoir me le faire hein, concrètement. Mais de souvenir normalement, si j'appuie sur une touche, je crois que je vais faire les appels de phare. Je sais plus comment on les fait les appels de phare. Voilà, c'est Cron. Vous voyez Cron, je peux faire les appels de phare. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher d'un concurrent. C'est d'aller un peu vite. Alors le problème c'est que sur la carte, je sais pas trop où je suis hein, concrètement, j'ai du mal à voir. On va aller à Nokujima.
Voilà, passer par là. Alors le modèle est plutôt bien fait, hein. Vous voyez quand même, le modèle 3D est quand même bien rendu. Et à Nukujima, on devrait avoir un mec un petit peu plus loin, alors pas ici, mais un peu plus loin, faut aller un peu plus vite. On va aller à Fukagawa. Je me suis totalement loupé, c'est pas grave. On va essayer de rattraper un véhicule. Et voir qu'il y a marqué Assist On hein, aussi en bas, au niveau du contour. Alors, c'était pas lui. C'était pas lui. On va aller le chercher. Est-ce que c'est lui? Non, ça c'est un taxi. Je pense qu'on va pas tarder. Ouf, à le rattraper. Et là, attention, on est en mode kéké. Voilà, on peut le voir, il est marqué avec un point. Il est là. Allez, on va. Je me suis fait bouger pour la voiture de service. Hey boy, you want to play with me? Et c'est parti. Donc la petite différence, donc c'est que lui va être en tête cette fois-ci. Et c'est parti. Here we go. Donc là on va battre Freak. Enfin, je sais pas si ça s'appelle Freak comme ça, mais... On va essayer de lui mettre un vent. Donc là on va mettre la patate. Faire attention aussi au prochain virage. Pour le moment c'est la ligne droite donc ça se passe pas trop mal. Vous allez voir, ça a commencé à tourner. Bon là le premier c'est assez simple je pense de pouvoir le battre. On va baisser sa barre. Et voilà, donc du coup, au niveau des points, on peut voir que c'est le prix du rival, on peut voir la distance. Donc plus l'essence de course est grande, je sais pas si ça porte plus ou moins de points. Et il m'a pas laissé voir la suite, c'est dommage. Donc on va pouvoir voir le replay, bon ça c'est cool. Et du coup on va faire Keep Driving pour le moment. Et on va essayer de se faire... Vous voyez quand le point est vert derrière, c'est-à-dire qu'on a déjà battu le concurrent. Et maintenant on va passer à la suite, on va aller sur Wangan C1. Alors, il y a des quartiers, que, le nom de quartier que je reconnais, mais très très peu. Hein. Ginza, je le reconnais par exemple. Mais les autres, je pense qu'ils existent. Mais je serais incapable de vous dire si le jeu est cohérent en termes de tracé. Je pense que oui, ce n'est pas très compliqué à faire pour eux, en tout cas, s'ils ne reproduisent que ce genre de... que ce genre de choses, c'est-à-dire que les autoroutes ou les voies rapides, ça va pas être compliqué de faire un truc cohérent. Mais bon, on sait jamais. Donc là, on va aller chercher le deuxième, qui est là. Ah bah... bizarrement... Faut que je me recale derrière. Et je refasse un appel de force. C'est marrant parce que l'interface a affiché 4 secondes, et puis, enfin même pas 4 secondes, 2 secondes. Et puis après... Voilà, c'est parti. Allez, on va essayer de battre la GT. Et c'est parti. Change un peu la vue pour avoir une vue un peu plus éloignée, voir un petit peu ce qui va se passer. Et là je suis à fond. Aïe! Et du coup il va me dépasser je pense. Je sais pas où il est mais il devrait me dépasser. Ah non, bah c'est bon, je suis toujours devant. On va changer de vue, on prend une vue un petit peu comme ça pour avoir de l'expérience de pour avoir l'effet de vitesse, pardon. Et on a gagné, bon, c'était assez rapide. Bon, évidemment le jeu va augmenter en difficulté au fur et à mesure qu'on va avancer dans la quête. Hein. Pour le moment ça se passe bien, mais vous allez vous rendre compte que quand on va faire d'autres voitures, il va falloir commencer un peu à l'améliorer, parce que ben, on va commencer à être un petit peu à la rue.
Donc là j'ai le choix, je peux faire Keep Driving ou retourner au garage pour l'améliorer. On va faire un petit troisième, on va essayer de rattraper un autre. Ce qui m'embête un petit peu, ce qui est un petit peu dommage, bon je pense qu'à l'époque c'est peut-être un petit peu trop prétentieux, bon ils auraient pu vraiment, peut-être un peu prétentieux, c'est faire les cockpits. Carrément ils auraient fait les cockpits, on s'y croit, on aurait pu s'y croire. En plus c'est dommage parce qu'on peut voir dans certaines voitures, bon là on la voit pas trop dans celle-là, mais qu'ils ont fait quelques éléments graphiques à l'intérieur. Et là, bah là on les a pas, mais on sent quand même qu'il y a un intérieur, hein. C'est pas des vides teintées où on voit rien du tout. Mais ils ont fait l'effort quand même de reproduire quelques éléments. Par contre vous voyez là pour le moment on est en... On est toujours dans le bon sens de la piste, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... On n'est pas en sens inverse. Je sais pas si ça sera le cas par mesure du jeu, si on va avoir des tracés beaucoup plus compliqués. Sachant qu'on pouvait le voir ici, on n'a qu'une zone débloquée pour le moment. Et du coup il va falloir aller chercher d'autres zones. On va aller tout droit. Enfin, on va pouvoir débloquer deux grandes zones après. Et peut-être que le décor change un petit peu. On va essayer de rattraper le rival. Alors Yaesu je connais, oui, je sais que ce sport ça existe. Par contre il est à la droite ou à la gauche, je sais pas, on a pris tout droit. Alors on est au Japon, donc qui dit Japon dit conduite à gauche aussi, peut-être que vous l'avez remarqué depuis le début du jeu. C'est genre un truc dont je n'ai pas parlé, mais c'est assez logique aussi. Par contre vous voyez quand on prend un mur c'est assez... assez punitif, hein. Bon c'est logique parce qu'il n'y a pas forcément énormément de virages. Mais au moins ça force à quand même bien les prendre. On va se mettre à la hauteur du prochain véhicule qui doit être là. Et là on va enchaîner direct dès qu'il va arriver. Ah bah là oui, je suis arrivé un petit peu trop vite. Du coup on va ralentir. Voiture rose et c'est une FTO. Oh une FTO papillon rose. Et c'est Wanderer. Contre qui on va se battre. Allez, c'est parti. On va lui mettre la pression. Enfin, on va essayer. Ah bah, c'est plutôt lui qui va nous la mettre, du coup. Par contre, voilà, on va avoir un virage bientôt à négocier. Je sais pas par où il va aller. C'est tout ça qu'il va falloir anticiper. Est-ce qu'il va aller à droite ou est-ce qu'il va aller à gauche? Et lui, il va aller... je sais pas. Et bien là on a perdu. Il nous a mis un vent. Le premier choc en fait a été rédhibitoire. Du coup j'ai perdu. Donc il faut que je recommence. On va faire Keep Driving. Et je vais essayer d'aller le rechercher à nouveau. Et vous voyez là il est en rose. Donc je sais pas si je peux reconduire contre lui. Je sais pas du tout. On va aller le chercher. Et on va voir du coup si c'est possible de continuer à jouer contre lui. Je fais n'importe quoi. Alors vous voyez, il y a des voitures sur le... Je sais pas ce que c'est qu'il y a comme voiture sur le camion. J'ai cru reconnaître une Skyline, un truc comme ça. Bon, on va aller chercher une deuxième fois, je sais pas si ça va marcher. Et vous voyez, si. Je vais pouvoir retenter. Allez, c'est parti, on va essayer de faire le boulet cette fois-ci. Ah, je pense qu'on aura compris quel était ton nom, hein, à force, mais c'est parti. Voilà, sur une portion un peu différente, donc on va voir. Par contre, il a peut-être un véhicule beaucoup plus rapide, c'est pour ça que ça va être compliqué. On va voir, hein, de toute façon. Je garde cette vue, ça me permet de voir paradoxalement plus loin. Et là, ouais, il m'a mis un vent, mais de l'espace, hein, mais vraiment. Hein. Et là j'ai tellement pris un mur qu'il va me foutre un vent. Ah ouais il a une accélération au taquet le mec hein. Bon bah c'est pas grave, hein. Vous avez compris, il faudrait qu'on améliore la voiture, on va même pas dripper. Bah écoutez, je sais pas ce que vous dire de plus hein. Concrètement, vous avez compris un peu le système du jeu, c'est-à-dire qu'en fait au fur et à mesure donc on va avoir des concurrents à battre. On va devoir changer de véhicule ou l'améliorer pour pouvoir battre tous nos rivaux.
Et une fois que ça sera terminé, ben on aura peut-être débloqué de nouveaux véhicules. Enfin, ça passe comme ça, voilà, c'est le principe du jeu. En tout cas, donc c'est Tokyo SM Racer 2, je précise, pas le premier. On fera le premier peut-être une autre fois. Sur Dreamcast, une version qui, ma foi, est quand même plutôt bien réussie quand même. Je retourne au garage juste pour la postérité. Et on peut voir voilà, les résultats aujourd'hui. J'ai fait 2 victoires, 2 loss, j'ai fait aucun match nul. Et on peut voir classe A, classe B, classe C, je suis à plus 0, donc j'ai rien débloqué concrètement pour la suite pour le moment. Bah écoutez, on va se laisser là-dessus. On se retrouve donc pour une vidéo. Ciao tout le monde!